Salut, salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue sur STRMMTV. J'espère que vous allez bien. Rappelez-nous ça très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, bon week-end à bisous. Merci beaucoup d'avoir abonné sur STRMMTV. Les amis de Matondo, une fois de plus. Bisous, tout le monde. Sortie médiatique. De la maman d'Alexandra na Canada place wapi azui courage force ya ko remercier tout le monde à l'exception des personnes apesi merci mais merci nae e balukilié merci nae e memeli ba critique merci nae e memeli ba jugement. Merci Naye Memeli Makambo Kili 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 Kili. Alors, et ça l'est passé. Comment on a m'tolé la moanaye? Ayolé la moanaye, ayolé encore moanaye. Mais bah critique de part et d'autre. Na habillement, na cheville, na manzaka, tout. Le message où il y a Pesaki est important pour la communauté. Le plus important pour la communauté Zalaki, habillement, maquillage, ma fidélité. Alors, les amis de Matondo, à la moko, il y a bateau, ouyo, ba portaki, le kamo y a Alexandra, namo. Manae Mobimba. Azwaki Alexandra le quoi moana. Azwaki Alexandra le quoi nièce. Azwaki Alexandra le quoi lik. Asalaki effort wana. Basalaki ba recherche pour retrouver Alexandra. Même si Azalaki a koukoufa, mais du moins ba monakiye. Après ça, Toyibi va retomber, par conséquence, par critique. Précisément, la maman d'Alexandra, hôtel à Ovanda, na place les amis de Matondoza. C'est 14 minutes. Oezaki va occuper Kokutana, na maman Alexandra. Place Alexandra bande Ovanda, na les amis de Matondo. Et en 9 minutes. Donc, à kokipe ko kindende mama lobiki, à kindenanda ko, à kende ko tala, chambre ya mwana pe biloko, à koi ko accompagner. Mais les amis de Matondo lobi non. Avec des critiques, non seulement des critiques, mais au-delà de ça, elle a aussi sa famille, elle a aussi ses enfants, ou yi pe fasa anini à protéger, à kolinga akokoka kokende sika wana te akanga munoko na ye azala bouche b alors ekosenga ye peut-être aloba abimisela pe maman na Alexandra ba vérité mais après wana maman na Alexandra aozonga ye mtoko tikala akozala en danger yango wana ngai na aloba mingi te tolanda direct et les amis de Matondo na intervention ya bato na ba conseil na ba suggestion oyo ba pécier tolanda vous abonner massivement na Esther MMTV vous liker vous partager vous commenter on se retrouve à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu restez branchés scotchés sur Esther MMTV merci. Il y a aucun qui s'abat tout, qui motive batou ne bandeli ti mwana ana amona. Ce qui est là qui bama kambo et bima qui est belé belé te ki ayo liwo e ke boyo asali boyo ezong si boyo. Ponanga onanga ko continuer musala na oti na suka. Mais o nga na omona elongino esi eyebani na ba live na ba partout ba kati kati na ba journal. Na ba makambo bandai ko sala. Siko batu oyo, baza derrière ya makambo oyo, basali puna Alexandra. Soki yo kei kuna,
Nana dimite ke oti ka mama wana ayeba eloko moko te okolinga ko rencontrer ye tala pa nanga nazo ki ba message boye tala pa nanga ba komela ki boye il faut boluka bo sala boye po boye ba biti liwa mwana binu e uti wa siko tango makambo wana mama na koyeba po ba twana pe ba olinga te yo kuta na mama na bango po ba ebike yo oyebi mwa makambo ebele okoyebi sa mama na bango ba makambo wana. Peut-être na place wana les msupo okene okuta na mama na bango est ce que ko ma place mama na bango aza ou bien po ko mate les msusu ba mama bango so ba ki place ba zani na ngou ya sika ma bete pona mona bango ape musika ke na problème problème na nga problème na ngeza o na okiko expliquer na munoko na lobi wana chimene problème na ngeza yangwana oui na yo ki na comprendre yo oui na yo ki na yo ki mais pona nga siko soki ko ke kuta na mama na bango mama to lokola là déjà peut-être maman va monter à mon maman va vidéo n'a pas force sinon ça qui est-ce que avant maman n'a pas moi qui aimé est-ce que vous écoutez on a y été à part y a binomi balé côté caméra té bon solo le essai bon sur la binomi balé n'a évité ce qui est vous à la possible peut-être mais n'ayez pas mon ami ébéléli n'ayez pas mon boss à qui au bas bon bah mon mukili est batté n'a non que copains alors j'ai ma vie j'ai. Donc, ok, Bampang, ma Christ. Oui, il y a un dossier dans ma boucle. Il y a un peu de bébé dans ma boucle. Si vous avez un peu de bébé, donc, vous avez un peu de bébé pour vous. Il y a un peu de bébé, vous avez un peu de bébé. Si vous avez un peu de continuer, vous avez un maman de force. Si vous avez un peu de force, vous avez un peu de force. Vous avez un force. Vous avez un peu de 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 force. Je comprends pas. Voilà, parce que avec vous, on était avec vous, hein, sans vous connaître. On est devenu comme une famille, au fait. Avec tout ce que vous avez fait. C'est vrai, on était en train de dire, même moi, j'étais dans les commentaires, oui, allez-y, mais quand même, il faut penser à tout. Je ne vais pas donner les détails et tout. Voilà, parce que c'est en français. Donc, franchement, moi, personnellement, je respecte votre décision. Voilà, je respecte votre décision. Tout ce que vous allez entreprendre, comme quoi que ce soit, c'est mieux que ça soit... Voilà, quoi. Que ça soit en spi. Voilà, protégez-vous, protégez... En tout cas, c'est mieux comme ça. Voilà, mais franchement, sachez que vous êtes une personne... Vous êtes une personne... Je ne sais pas comment dire. Une championne, franchement. Merci. Vous êtes une championne. Merci pour tout ce que vous avez fait. Voilà. Grâce à vous, on était avec vous. Voilà quoi. Après la vidéo de ce matin, on a pleuré. Automatiquement, après la vidéo, moi personnellement, c'est à vous que j'ai pensé. Après la vidéo de la maman, j'ai pensé à vous. Voilà. Donc, beaucoup de courage. Voilà. Merci, merci pour tout. Vous êtes une lionne, comme on le dit chez nous, les Ivoiriens. Vous êtes une lionne, une championne. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège, que Dieu protège votre maison et tout. Merci. Merci pour tout. Ouais, pour toi qui poses la question, non, ils sont pas loin. Ils sont à 14 minutes de ma maison. Là où ils ont dormi, non, c'est pas loin. C'est à 14 minutes de chez moi. Là où Alexandra habite, c'est 9 minutes de chez moi. M'attends de là, l'oba, de la tigaya, l'oba, bon, là, l'oba, parce que moi, je descends. Il y a là où ils vont aller chercher les habits, c'est 9 minutes de ma maison. Là où ils dorment, c'est 14 minutes. Ouais, maman, bonjour, maman Matondo, bonjour. Ça va? Bonjour, maman. Bonjour. En tout cas, maman Bissonia, c'est tout le monde qui a appuyé au Kende. Maman Kende Kaka, Kende Kaka. Parce que biso peut avoir des intérêts. Tu as besoin qui est de filmer les biso tout à la tout monde. Mais un rôle bel au moment où tu le bas à la langue là, donc biso tu vas congolais, tu comprends où il lobby. Pourquoi tu en as risqué en tout? Qui est-il? Qui est-il?
pour comme maman mila mila il faut tout dire kende rienda wa voilà tu vas nous souvenir même que nous kanga mon bon à mon nom ne kanga donc kanga te alors ma bé ma casse sur les ala qui rokoka problème ça te biso tout au linga au kende tout mona mais ce comme bongo en tout cas na ban nous na famille biso peut te supporter peut te perdre yo vanda vanda na yo so moni okoka te ko kende te ko landa te ke batu kende kaka yo muto banda ki ango fo suki senti na suka eza contrat o sala ki deja okoka ko sala alors so ko okoka te moni ko katani c'est bon en tout cas on nga nyala lobano yango wala merci beaucoup et la famille c'est wana nga utanga ko mona abu e Marlen mama kiti sanga yeah. Marche Zali hein les africains il y aura les membres et... Soyez nombreux à aller soutenir la maman. Ils vont marcher. C'est où? Si c'est pas à Ottawa, c'est à Montréal. Je pense que c'est à Montréal. Ils vont marcher à Montréal. Allez-y. Non, on va expliquer. Je vais pas expliquer. T'inquiète, pas faute. Oui, Lily, on t'écoute. Matondo, tu es ma sœur. Tu sais que je t'aime bien. Tout à la TikTok, tu es en autoroute, tu places mon corps. Naebi, en tout cas, parmi nous, les Congolais, muta bundi bitumba, le quoi yo, muta se battre, le quoi yo, azati. S'il te plaît, par l'amour de Dieu, toi na posa na yo. Ozomona, et quoi batu musuba komi ko suspecte d'être na mono na page moro boye. Ozomona, et quoi batu musuba komi ko suspecte d'être na mono na page moro boye. Ozomona. Ba komi d'être na mono na page moro boye. Oh, ils ont dit que la dame là, elle aussi, elle est suspecte. Matondo na yamba yesu na koma rosambe la. Na lingia ko beta ma bakute. Tu vois? Yo muto se battre. Bola moza kazoba. La mère, elle a pas de problème avec toi. Aebi ko bundi bitumba pona mwana. Tu vois? Mais, biso to ngai, ta sœur, na lobi ke ko kende te. Oka ki message ya mwasi. Moni ba Congolais azamu to intérêt aibi ke matondo aux articles terrain to aux informations par l'amour de Dieu lela na musika yo mo kozo ba ke sona ke na kapi ko kanga mtema te na koloba na sala makapona ba sentiment te wana bana na yo ils ont besoin de toi donc nga mtema la nga penza izo donc na lingite lela na musika s'il te plaît ma chérie. Après, yo, c'est toi qui vas prendre la décision, mais pour nous, nous la musique. Kolanda Congolais et Congolais ont été intérêts. Yo se battre après comme yo, la dame là, elle est suspecte. Dans l'ingénieur, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de distraction. Le monde de nos réseaux sociaux est un monde satanique. Donc, nous avons fait un peu de temps. Bisous, ma chérie, je t'aime bien. Ok, merci. Tu vas bien? Bon, on a le baboui, on a le banan français, mais on a le banan lingala pour les hommes à Cambouya. Il y a l'aïe. Je m'en ai mis et bien été la lingala pour la traduisible. On a le banan lingala pour la traduisible. On a le banan lingala Québec City. Bon, quand on a le banan lobby, on a la langue, on a la comprendre, on a la chine. Il y a aussi la mat. On a le baboui, maman. Ça là, on a monté Mano et Sengel et Tindi au sala. Comprends, nous avons le bien habitué que au Kenyaté pour des raisons X Y au Kenyaté. Talana nous premièrement vinayo et surtout banana yo. Attendez. Au salaki tour à Liboso. Non, attendez, je vais rectifier quelque chose. Si la maman aimerait me voir, j'irai la voir. Vous comprenez? Si la maman aimerait me voir. Et pour cela, j'ai dit, fais ce que ton cœur désire, ce que ton cœur te dit. J'irai la voir. Je sais que ce n'est pas une fête pour être invité. Non. Vous comprenez? Ce n'est pas une fête pour être invité. Mais il faut comprendre que la maman est accompagnée. Il y a le gouvernement à côté d'elle. Si ça vient d'elle-même, qu'elle aimerait me voir, qui suis-je pour dire non? J'irai voir la maman. Oui. Donc, si ça arrive que vous me voyez à ses côtés, sachez-le que Alingi, c'est elle qui a voulu me voir. Mais moi-même, aller me présenter, malgré que je connais là où ils sont, j'ai l'adresse, j'ai leur numéro, je ne peux pas.
Vous comprenez? Exactement. C'est moi aussi, j'ai dit. Et toi-même, tu ne peux pas. De moi-même, je ne peux pas. C'est ça. Si la maman dit, mon nom, ma c'est là que je t'ai dit de rester. Avant de retourner à Kinshasa, j'aimerais te voir. Je démarre directement, je vais aller voir maman. Exactement. Ça, je suis d'accord avec toi, à 100%. Mmh. Voilà. C'est, moi, je dis mais, pour. J'ai pas aussi des problèmes, même si maman retourne au Congo, qu'elle m'appelle de loin pour se parler. Parce que moi aussi, j'ai un numéro. J'ai son numéro, je peux aussi l'appeler de loin, c'est pas un problème. Mais si elle tient, bon, j'irai, je veux pas de problème. Oui, oui, ça c'est, pas, ça c'est correct. Là, je te comprends 100%. Mais il y a un lobby que ça là, nous, Oyo, Mouté Manuel Lingui. On a un sentiment à TikTok pour la visibilité, pour la babilini. Parce que au salaire qui tourne à l'Iboso, ça là, nous, comme maman Beba Singi, on a battu en Europe. On a pour la visibilité, pour la matalana. Si maman aille. Je vois un peu, il y a un albi, non? Donc, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des visibilité. Tu vois? Je TikTok en train de TikTok des choses. Je suis TikTok pour la de Alexandra. Et vu qu'il y a fait des choses la province à Québec. Donc, voilà un peu. C'est ce que je voulais te dire pour un petit conseil. Donc, Vanda. Vanda pour la bana. Bazan a besoin na yo et surtout pour na yo mon repère vie na yo famille na yo bandeko no papa na bi no pasan a besoin na. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. De rien ma chérie. Ma famille, je vais vous dire ceci. Vous savez, j'ai été depuis les programmes, j'ai été là depuis les débuts. Je connaissais l'arrivée de la maman, l'avion, aire d'atterrissage. Et les gens qui devaient accompagner maman, j'étais en contact aussi avec eux. Si je voulais partir pour me faire voir, peut-être à partir de l'aéroport de Montréal, j'allais partir prendre les images pour vous. Mais je ne pouvais pas faire ça parce que quand j'avais agi avec mon cœur pour aider la maman, vous avez transformé l'histoire en disant que j'ai... Ça venait pas de mon cœur, j'ai joué, je suis venue me faire voir. Ça m'avait vraiment choqué. Vu que dans tout ça, il y a eu des sacrifices que ça peut même tourner mal de mon côté, je peux même pas expliquer. Ok? Alors, quelqu'un m'a appelé le matin pour me dire, Clive, moi je vois que tu deviens trop exigeant en disant que non, si elle a besoin de toi. C'est pas dans une fête pour être invité, tu peux pas dire ça, tu dois aller. Ah ouais? Vous pensez que je dois y aller? Mais non. Mais non. Mais non. Son appel était, les gens qui habitent au Canada, aidez-moi. De notre côté, on avait fait ce qu'on pouvait. Vous comprenez? Mais là, gloire à Dieu, la maman vient de confirmer que c'est sa fille. Même au début, quand on pleurait, on disait que c'est elle. Les gens m'avaient insulté pour dire, mais tu es qui pour confirmer que c'est elle, tout et tout. Je suis traitée de sorcière. Il y a une dame camerounaise qui a dit, j'ai fait des mauvaises choses ici au Canada. Trop spirituelle, tout et tout. Non, trop spirituelle, là, tu as raison. La dame là, le Camerounais, trop spirituel, oui. Moi, je suis trop spirituel, oui. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas de la manière dont tu parlais, comme si j'étais sorcière, je connaissais quelque chose dedans. Non, non. Non, non. C'est avec le cœur. J'avais fait ça avec le cœur, la famille. C'était avec mon cœur. Vous comprenez? Mais si la maman me dit... Clive, je vais te voir avant de quitter le Canada. J'irai, oui. J'irai avec force. J'irai la voir. Ouais, maman Jamila, on t'écoute. Maman Jamila. Quand on était parti, on était jugé. Aujourd'hui, on décide de ne pas aller.
Matière exacte, là vous regrettez, fallait pas tout ça la Mouembele, et roi, qui est la pistole, image. N'est-ce pas qu'il n'y a pas de locaux. Je fais ça exprès. Je savais que, et l'autre qui est Kangabino, c'est qu'il y a des locaux. Nous, nous avons agi avec nos cœurs, vous avez refusé, soi-disant, c'était les Matalana. Ok. Là, on laisse. Oh, Kende Kotala. Oh, exact, prise définition. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Déjà, à Trois-Rivières, c'est là où je suis. Je pouvais faire ça, aller prendre des images pour toute l'Afrique. Mais regardez comment vous m'avez traité. Jusqu'à aller plus loin, sorcière, trop spirituelle, elle aussi. Elle a... Moi. Ok, Mama Jamila. Non, Yoka, yo, fous-moi la micro. Où je suis sauvée, tu peux parler. Mama Jamou, il y a trop de bruit là. Oui. Bonjour, Mama Tondo. Bonjour. Oui, Bazangi, Bazui. Non, vous savez déjà. Parce que imaginons que j'avais les programmes. Je pouvais aller. Attends, Mama, je pouvais aller à l'aéroport de Montréal. Prendre les images, la manière dont il descend, tout ça, germe de flair, ils ont entré. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, vous pouvez accompagner tout ça. On allait voir là où Alexandra habitait, à l'intérieur, comment on va emballer toutes ces choses. On pouvait tout voir ça. Après, la cercueil, comment elle sera. Tout ça, on pourrait voir ça. Mais la manière dont j'ai été massacrée pour rire. Quand on agit avec nos cœurs, vous nous traitez des sorcières. Quand on ne veut pas agir, oh non, il faut aller. Parce que moi, je suis l'enfant de vos mamans. Il faut aller, vous allez voir. Ouais, maman. Oui, maman Tondo. Oui. Bonjour. Bonjour. En tout cas, félicitations à nous. Nzamba Pambolayo. Nanyo Sosali, depuis Makambo et Banda, on s'est sacrifié. On s'est au Kokai Kosala. On s'est donné à fond. Donc, il y a pour ça qu'on l'est là, il y a une chair de poule. Oui, en tout cas, oui, vas-y, maman. Courage vraiment. Ce que je veux dire, c'est que je suis en train de forcer tes mamans. Pour forcer tes. Moi, j'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien aussi aller. Oui. J'aimerais bien. Mais oui. Si maman, si elle décide de me voir, vous comprenez? Oui. Si maman décide de me voir, que non, je vais te voir. Je vais y aller. Mais si elle ne décide pas, je sais qu'elle est occupée. Elle va ramener le corps de sa fille à Kinshasa, même par téléphone. Je vais parler, on va se parler. J'ai son numéro. OK? Ça vous apprendra la famille. Écoutez, Yabino. Bokene, même aéroport, vous n'avez pas l'image. Même l'air atterrissage, l'image, Yaki, vous n'en avez pas. Ils ont quitté Montréal pour venir ici. L'image en route, vous n'en avez pas. Ils ont passé la nuit ici. Vous avez l'image, même l'hôtel, vous ne connaissez pas. Ils vont aller emballer les histoires de la petite. Zéro image. Tout ça, pourquoi? Écoutez, Abino. Moi, je vais faire les macos, hein, les macos avec les pili-pili. Et donc, ça va moutou. Je ne prends pas l'alcool aussi. Macos, pili-pili. Et donc, ça va moutou. On va plaire l'enfant comme ça. Aux yeux. Écoutez, Abino. Merci maman, je vous écoute. Ouais. Donc il faut forcer na hôte au kokai ko sala, au sala qui ango déjà. Nengo lobby que ce qui maman Alexandra abengi yo azana posa mona yo, tu vas avec ton cœur ko se tracasse na hôte, ne te prends pas la tête. Lela mo na yo nengo zo monela. Si so ba bengi yo tant mieux, so ba bengi yo pété gloire à Dieu. Donc, au salut au kokai ko sala nzamba moni o nuance o yo sali dele debi tina ne to komi lelo. Attendez maman, je viens avec power. Vous m'avez dit d'acheter power, non? J'avais déjà acheté ça. Mais pourquoi je vais pas partir? Pour côté ama. Attendez, je vais aller chercher power pour voir. Attendez. Thank you.
bien chargé. J'avais déjà chargé. Baote ya mabato bazali na posa ba news batia baloba donc siko ba perdre nyonso donc nyonso ouais sachez que il y aura des images il y a marche ils vont marcher non je sais pas si à Montréal c'est où l'image il y a marche vous en aurez mais l'image clé très important vous avez raté aéroport zéro image. L'air descend à Trois-Rivières, zéro image. Quand ils vont faire entrer le corps, Namutuka, Bozuité. Quand ils vont aller emballer les histoires de l'enfant, Bozuité. Donc, l'image que vous aurez, quand ils vont commencer à marcher, ils chantent, ils marchent, boy, vous avez perdu les images qu'il fallait, c'est perdu. À cause de quoi? Vos bouches qui pient. Bon, Congolais, ceux qui l'ont dit Congolais, tu as avancé, il y a important, il y a un cas déjà dans le bas qui courage, ma chérie. Saladei, na yo, nengo, moneli, nengo, salela. Donc, voilà, lela, ye, nenge, nzamba, osenga, o lela, o kita, mouté, manayo, mais, moi, pour moi, pena, personnellement, si j'étais à ta place, nangana, sala, effort, na kende, pour, oui, moi aussi, mouté, mouté, mananga, e kita, tu vois. Tu sais pourquoi je vais pas? On a deux qui s'accapent. Oko lobana au papa. Jamais Elisabeth. Je suis pas idiote. Ozo ganga. Lobana au papa. Ya sœur maton nga na fani na vana Irlande na Dublin. Na Zolanda yo nyonso ndenge bandela ki. Mais eloko ali bosso foyeba ennemi a congolais. Ya moko za congolais. Ouais. Congolais ça n'est au moni puko ali akabatu na butu. Allié yo mais au koyé baté donc congolais akabongo tala elo oyaki na poto na mbongo na yo banzela yo sunego lobaka na mbongo na yo kolanda congolais te sera ngai sala oyo motema na yo etindeli yo sala congolais ngai na filmé te ba raté ba biloko ezo makasi voilà sala oyo etindi ngamo mais Toki ma ya mwana a bengi koma pardon sœur Nangai. Merci maman sœur Nangai. Là j'irai. Merci maman Nzambe pa mula ona nanda. Je vais filmer, je vais pas. Nzambe pa mula ona pa. Je vais prendre des images. Ouais. Merci maman sœur Nangai. Merci beaucoup. Courage, Kiti sa Nangai. Yeah. Oh regarde. Allô. Ouais. Ya Tondo, je vais t'appeler Ya Tondo. Je suis gabonais, je suis en Allemagne. Ok. Excusez-moi, je suis tombé dans ta vidéo et puis je me suis arrêté. Mm-hmm. Je voulais te poser une question. Est-ce que parce que les gens ont parlé que tu ne veux plus continuer? C'est d'abord ça, ma question. Et puis tu me réponds. Ok. Deux, trois choses. Ok. La réponse est deux, trois choses. À cause de ça, ça va m'amener. Je suis très émotionnel. Je pense que Anala a filmé. Je vais pleurer puisque la maman peut-être et je vais parler n'importe quoi. Qui sera peut-être pas bien pour moi et ma famille. Tu comprends? Troisièmement, ce n'est pas que je ne vais pas vraiment aller. Non. Si la maman aimerait me voir, j'irai la voir aussi. Vous comprenez? Ok. C'est que moi, tu es une fille. Parce que moi-même, maman, là, on n'a pas le même âge.
Ce que je voulais te dire, je vais d'abord te faire un petit témoignage. Hein. Je vais d'abord un peu te brosser mon témoignage et puis tout le monde va comprendre un peu là où de quoi il s'agit. Et parce que quand je devais me parler, l'idée là m'est venue en tête. Il y a au pays, avant que je ne vienne en Allemagne, j'avais une voisine. J'étais plus grand qu'elle de 2 ans. Et on m'avait dit qu'elle est tombée malade. Bon, quand je devais aller la voir, le même jour, on a dit qu'elle est morte. Elle est morte. J'ai pas pu la voir. Tellement on était collés, on dormait ensemble, on marchait ensemble. Mais je te dis que ma parente, en cette époque-là, je commençais déjà à prier. Il faut que je te dise la vérité. Parce que quand tu ne pries pas, tu vas marcher comme toi-même, tes sens te disent de marcher. Et on trouve que c'est normal. Et c'est comme ça, quand je commençais à marcher, Dieu ne permettait pas que je mette les pieds partout. Et quand elle est morte, et puis on a dit qu'on fait son deuil. Maman, si je te dis que mes pieds sont restés fermes à la maison, je ne saurais te dire. Ce sont les gens qui sont venus, oui, on ne t'a pas vu, pourquoi tu n'es pas venu, nyara, 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 koro, 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 nyiri, 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 gyoro, 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 gyoro. Maman, je ne peux pas te dire, Dieu, quand il m'a... Parce que je vais aller dans l'une des voisines des maisons là. Dieu m'a fait asseoir. Hein. Et je vais encore, bref, te dire une autre chose. Il y avait une... les Serbiens. C'est quand tu quittes ici, là, le soir, comme ça, tu arrives à Serbien. Donc, ils ne sont pas loin de l'Allemagne. Ils ont fait un mariage. Je veux que vous compreniez quelque chose. À cause de ça, je donne un peu ce témoignage-là. Ils ont fait un mariage... Et non, la petite, la maman avait eu un homme. Et la maman ne voulait pas. La maman voulait qu'il marie grand type. Moi, je dis que si tu ne libères pas l'enfant là, même si tu es d'un autre pays et que moi je suis gabonais, je te dis, évite que l'enfant là fasse elle-même quelque chose. Donc, la fille, on a réussi à la doter. Mais quand il s'agissait qu'ils vont célébrer, parce que j'étais restée assise parce que la fille avait dit que si tu pars, maman, je risque de faire quelque chose. Parce que si tu entends comment ma tante la refuse, le gars là, que je ne dois pas lui prendre. J'ai dit qu'ils ne vont rien te faire. Si tu as décidé d'aller en mariage, ils vont célébrer, ils vont t'escorter. Et quand ils devaient faire ce mariage là, je me suis habillée. Donc, je me suis habillée parce qu'ils avaient le jour là, je me suis habillée et je sais qu'on m'attend. Ma parente, bien habillée comme ça là. Qu'on parle, ne nous voilons pas la face. Tu es vraiment chrétienne. Ce que tu as fait, ça suffit. Tous les décors même que tu dis là, la Bible dit que tout concourt pour le bien de celui qui aime Dieu. Tout. C'est ça que la Bible dit. Tout. Tu peux dire, oh, parce qu'ils vont prendre mes images, nyeri, nyeri, nyeri. Nyeri, nyeri. Dieu t'aime. Maman, assois-toi. Assois-toi.
surnommé sa sœur. Sœur, tu ne vas plus me trouver. Les mamans, eux, ils parlent, mais elle avait déjà dit au revoir qu'on est. Mais, c'est pas que je n'ai pas papier, mais pour monter pour partir, Dieu n'a pas permis. Donc, vous voulez dire que Dieu est allé. C'est lui qui a les oreilles pour comprendre, qu'il comprenne. Maintenant, si toi-même, tu veux aller, parce que les gens te poussent de partir et que ton cœur ne te convainc pas, je t'appelle d'abord, Yaya. Yaya, assois-toi. Tu es fini comme ça. Tu es fini de parler. Merci beaucoup, maman. Merci. Allô. Allô. Bonjour, y a Matondo, mes amis de Matondo. Bon, gana ko dalanga mingi te, peut-être dans un hors sujet, n'importe dans un hors sujet, te non le bakaka côté na yoki, ce qui est cause la correcte nangai. Na yoki kaka kotozo le baka, okende ba makambwa na nyoso te ou bien soit okende mais oko filmé te. Mais ce qui est bon, maman, moi je veux te conseiller, mais après, je vais te meilleur conseiller. Il y a une chose, maman. Tu as pleuré et cherché cet enfant avec bravoure et amour. Grâce à toi aussi, les gens se sont levés pour cette petite. Parce que sa maman, c'est vrai, à celle qui poste, à celle qui vidéo, tout le monde a qui. Mais la personne qui a fait accentuer, la personne à côté ici, Alexandre, n'a mis tes mains comme toi. Na ébité ce que nous tombons sur Azali mais na monité en tout cas na TikTok ou na ba réseaux sociaux na mona quitté. C'est vrai après les autres pays bazwa qui peut du Kambwango mais pour na biso ba congolais moi je dirais que c'était toi. Merci la blonde. Alors aujourd'hui tu sais biso ba congolais to lobaka kaka. Toza kawana to linga ko mona eloko mala muta salaté. Toza ba to moko peuple moko to linga onje ko vivre na ba regret. Quand li Kambweza bien to ndi makangote. Tant que ce que tu as bien, il fallait tout ce que il fallait tout ça la kakawana. Tu vois un peu dans ce sens-là. Cet enfant, tu l'as cherché avec amour, au tiki occupation na yo, au tiki ndaku na yo, au tiki banana yo, pour aller vers cette recherche-là. Ba futa kiyote, ba kometa kiyope lokote. Tu l'as fait avec amour. Mais, pardon, mais aujourd'hui, si le voix se sont levés pour dire n'importe quoi sur toi, pour la petite, je ne sais pas, si tu ne vas pas aller même dans la masse populaire, mais je crois que parce que Bolingo n'est pas dans la masse, j'espère pour moi que même avec la maman, je ne sais pas si vous êtes en communication, bien d'être un peu proche au fait de l'événement. Parce que tu sais, t'osa battre, hein, après tellement que tu t'étais donné à ça, après, quand on souhaite aussi la soukipo de monanité, si tu n'as pas assisté, on dirait que, bon, genre, hein, après, on dirait que déranger au lissousou, j'aurais dû être là, j'ai manqué quelque chose, j'aurais dû être là. Alors, yoka penza mouté manayo. Si ton cœur refuse à ce qu'on kende, yoka mouté manayo. Mais si tu le fais parce que les gens vont dire, parce que les gens vont parler, yoka nou batouté maman. Moi, nana, ouluka kena bolingo nayo. Personne ne t'avait poussé à le faire. Tu l'as fait par amour. Personne. Tu l'as fait par amour. Tu l'as fait par amour. Alors, yo kaka mouté manon, parce que mouté manon de ekolobe la mieux que tout le monde. S'il faut aller, s'il faut pas aller, si... mais yo kaka mouté manayo. Donc voilà, c'est tout ce que j'allais te dire. Et puis, malgré, c'est passé bien, la petite n'est plus là et tout, mais on te dit merci, hein, maman, parce que au télémaki, aujourd'hui, était vivante. Et nga kezala, peut-être yon héros naye. Mais bon, Dieu n'a pas amené, il a fait autrement. Voilà. Imaginons, le lundi, quand nous sommes allés à Yves Saint-Quentin chercher la fille, on n'a pas trouvé. Hmm. Et que le mardi, là, Dieu a fait grâce qu'on retrouve la fille. Elle était dans la brousse, au milieu, vivante. Ah, la famille, déshabillée. Non. Mona. On dit que tant que dans sa démarche, on a comme un espoir que moi, nana ko monana. Donc, malheureusement, bon, Dieu sait comment il fait ces choses. Hein. Toko mai pena espoir mususu. Na façon télémaki wana.
pour qu'on ait un espoir, Moussous. Mais bon, après, c'est Dieu qui décide, hein, maman. Donc, il y a quand même encore, quand je cherchais la petite, la manière dont on criait. Alexandra, Toko Lukayo. Alexandra, nous sommes venus te prendre. Oh, la famille. Donc, que ton cœur de mère n'arrive à ne te fasse pas prendre de mauvaises décisions à cause des gens. Ne fais pas attention à ce que les gens disent. Les gens sont toujours là pour dire des méchancetés, au fait. On peut même t'accuser des choses que tu n'as pas fait. Les gens sont là pour ça. C'est après que les gens réalisent. Alors, aujourd'hui, que tu te lèves aussi, les cas, pour dire que je ne veux pas faire ça à cause des gens. Là, j'avais dit ça. J'avais dit qu'on va la trouver. Ouais. J'avais la foi. J'avais dit qu'on va la trouver. Je disais ça qu'on va la trouver, oui. Parce qu'il y a des vidéos qui circulent. Il y a des gens qui viennent m'écrire pour me dire, maman, nous avons vu une vidéo où tu avais dit qu'Alexandra n'était pas mort. Là, c'était quel jour? Je parlais comme ça avec la foi à la famille. Vraiment. C'était avec la foi que j'expliquais dans cette vidéo que la fille n'est pas encore morte. Venez, on va aller retrouver la fille. Venez, elle n'est pas encore morte. Étant chrétienne, c'est par la foi que je disais tout ça. Vraiment, tu nous as mais même quoi, les gens cette foi. Regardez-moi ça. Elle disait la fille, elle est vivante. Du coup, la fille, elle était morte. Mais la famille, c'était par la foi. Nous, les Congolais, comme vous nous voyez, nous, on vit que par la foi. La foi, nous exactement. Nous sommes à 90% chrétiens. Nous, c'est la foi. On croit à la parole de Dieu. Donc, moi, je ne pouvais pas aller chercher quelqu'un en disant, nous partons, on ne va pas te trouver. Non. Quand je suis vraiment cette foi. Elle est encore vivante, venez, on va aller la retrouver. On va... Non. Non, la famille, c'est triste. Donc, voilà un peu mon intervention. Que donc, Dieu te mette à cœur sa voix, t'oriente s'il faut aller ou bien s'il ne faut pas aller. Mais ne prends pas cette décision à cause des gens. Parce que maman, la manière dont tu t'étais levée pour cet enfant, même nous dans nos familles, peut-être qu'il s'agissait d'une cousine, peut-être qu'on ne serait pas levé comme ça. Mais tu as pris cette histoire à cœur, maman. Tu as vraiment pris cette histoire à cœur. La fille a aussi ses frères, a aussi sa famille ici, hein. Oui, mais regarde comment toi tu t'étais levé. Regarde comment tu t'es levé. Sa famille ici. Il a ses, je ne sais pas si ce sont des frères, là, les enfants de la première dame. Ce sont ses frères par alliance. Oui, maman. Donc, de la manière dont tu t'étais levé, tu ne peux pas rester au banc de en dernier banc, quoi. Non, tu ne peux pas, maman. Tu ne peux pas. Tu t'étais tellement investi dans cette chose avec ta foi, avec tout ton courage. Et aujourd'hui, tu ne peux pas t'écarter de la scène. Pourquoi vous êtes là, sa famille, oui. Vous pensez qu'il est. Tu ne peux pas t'écarter de tout ça pour laisser parce que les gens parlent. Les enfants de son père, oui. Ben oui. Ah, je viens de dévoiler quelque chose où vous étiez au courant. J'ai rien dit. C'était moi la paix. c'est comme si je viens de dévoiler quelque chose. Nalobé Lorote, pardon. Arrêtez encore, arrêtons. Vraiment. C'est ce qu'on refuse ici, Biloba Loba, les préjugés, c'est ce qu'on refuse. La famille, je vais vous raconter une histoire. Vous savez quoi? Où est-ce que j'avais trouvé le courage de mobiliser nos compatriotes pour aller chercher la fille? Vous savez, c'est où? À l'âge de 8 ans, j'étais Croix-Rouge. À l'âge de 8 ans, j'étais déjà Croix-Rouge. Mon chef s'appelle Chef Matondo. Il habite en Suisse. On l'appelait Chef Cheval. Oui, à l'âge de 8 ans, j'étais déjà Croix-Rouge. Là-bas, on nous apprenait tout. À bas âge, je savais déjà quand tu as un plaie, comment je vais faire. Soko Bukani Lokolo, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans nos camps, pas scout, Croix-Rouge. Je dis quoi? Je parle pas des scouts. Dans l'église catholique, oui, j'étais scout, mais je parle. Non. Croix-Rouge. Pourquoi le bina aussi? Pourquoi tu dis ça? Même si je vais vous dévoiler des choses, je vais vous expliquer au Katimba Moro, pourquoi? Qui
connaît Tchétché Makanda? Qui connaît Tchétché, les Congolais, qui connaît Tchétché Makanda? Qui connaît Tchétché, hein, Tchétché Makanda? Qui connaît Tchétché Makanda? Pas en sécurité, Croix-Rouge. Moi, Yaya, ok. J'ai été avec lui, on était ensemble. Oui, secouriste, j'étais avec lui. Il est connu de poser la question à Tchétché. Vous connaissez Tchétché? On n'habite pas loin. Nous sommes des, nous venons de la même quartier. On est très proches. J'étais avec lui dans la même rue. On partait à Bas-Congo, on laissait nos familles avec lui. On dormait dans les bourses avec lui. On était enseignés avec lui. On voyageait, on laissait nos maisons pour voyager. On va vous apprendre comment vivre dans la bourse, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider. Je vous jure. Les gens qui connaissent Tchétché Makanda, il est en Europe. Allez poser la question. J'étais tellement petite, je savais plein de choses. C'est étrange. Et puis, mon chef là, c'était mon voisin. On a été recrutés porte par porte. Je ne savais pas c'était quoi. Vous comprenez? Chef Cheval était venu nous recruter porte par porte. Il vient, il parle à ta maman ou à ton papa. Moi, je vivais chez mes grands-parents. Il a parlé à mes plein de choses. Mais là, j'étais encore enfant. Je connaissais déjà plein de choses. L'histoire des brousses, là, aller chercher les gens, secourir les gens. Enfant, j'étais enseignée quand j'étais petite. Plein de colonies de vacances, c'était plus dans les brousses qu'on partait. Et c'est là où on va vous expliquer comment intervenir, premiers soins, quand il y a les plaies, l'histoire de la Croix-Rouge, les fondateurs, qui est les fondateurs, l'hymne national de la Croix-Rouge. J'avais 8 ans. Vous comprenez? C'est pour cela que je vous parle de Tchétché. Je sais que les Congolais, parmi vous, il y a des gens qui lui connaissent. Si tu lui connais, pose la question. Est-ce que tu as été la Croix-Rouge, Clive Matondo? Oui, la Suisse, oui. Les messieurs vont vous dire, oui, j'ai été avec lui, on a été formé, il va tout vous expliquer. Donc, quand j'avais vu l'histoire d'aller chercher au île des Saint-Quentin, il y a des arbres, moi, j'avais pas de problème avec ça. J'avais pas de problème avec ça. J'étais très petit, c'est dans ça que je vivais, on voyageait. Dès qu'il y a les vacances, vous quittez la maison pour des semaines, vous allez au Bas-Congo, vous allez à Njil Brasserie. C'est là-bas, on va tout vous apprendre. On va vous expliquer. C'est comme ça que j'ai grandi. À part ça, j'avais aussi des occupations à l'église catholique. À l'église catholique, j'ai chanté. J'étais bilingue, j'étais à Noirite. J'étais aussi à ECJ. J'avais plein d'activités à l'église catholique. En étant aussi secouriste. Ouais, en étant aussi secouriste. Secouriste en action. Nayemba, l'hymne national. Ok. Croix-Rouge en avant pour la paix du monde. Sans souci du mal, ne regrettons pas. Croix-Rouge d'Isaïr, nous la garderons. Et la paix nous serons rendue. Soleil, soleil du ciel où la tempête noire, c'est la voix de Henri Kina. Solferino, solferino sur la base des N-I-L-E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 -
C'est là où je vécu, j'ai passé mon enfance. Non, ça énerve, ça énerve. Mais nous n'avons pas à tembe. Il y a un peu qui a une image. Bino bato a tembe. Tembe n'est bomi bino. Allez-y. Allez-y. Tembe n'est bomi bino. Bokende. Ok, maman, je vous écoute. Maman Mati. Vous êtes là nombreux. Si ta sœur a boucané l'école, vous savez même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais moi, à l'âge de 8 ans, 9 à 10 ans, je savais déjà. S'il y a les fractures, si je trouve quelqu'un vient de casser la jambe, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je connais ça, je connaissais ça depuis 9 ans, 10 ans, je savais ça déjà. Qu'est-ce que je peux utiliser? Qu'est-ce que je peux utiliser? Je savais ça. Et tant que sécuriste, on nous avait tout appris ça. On était des gamins, mais on nous prenait ça. Premier soin, réanimation. Oui, oui, tout ça. Aujourd'hui, là, nous sommes ici au Canada. Avec les cours de RCR, on nous apprend. Mais moi, je savais tout ça depuis mon pays. À l'époque d'Isaïe. Et les exemples qu'on nous donnait, on ne nous parlait pas de la cité. Toujours dans la brousse. Comment faire si tu ne veux pas perdre dans la brousse? Comment marcher dans la brousse? Si tu ne veux pas te perdre, comment tu vas te positionner? Comment tu vas mettre tes flèches? Comment tu vas indiquer là où tu as déjà passé? Tout ça, je l'ai appris quand j'étais gamin dans mon pays. Étant secouriste en action, avec mon chef cheval, chef Matondo, qui, son surnom était chef cheval, qui vit maintenant en Suisse. Je ne sais pas si un jour je vais lui revoir. Il était tellement propre, le roi Mundele, très propre. Et on était des voisins. Moi, je vis au 21. Mon chef vivait au 23. Donc, quand on partait en vacances, donc c'était facile. L'avenir est là. Tous les enfants, on s'est rassemblés devant leur parcelle. On sort, on prend l'auto, on voyage, on quitte la capitale pour aller dans des petites provinces non loin de la capitale. C'est là-bas qu'on partait apprendre tout, comment intervenir, comment donner les premiers soins, même s'il n'y a pas de nini. Comprenez? Donc, merci beaucoup. Maman Mati, on vous écoute. Oui, maman. Nana Lobaboué. Oke, na zoagu ya kolanda TikTok apa na yo, na mambebele. Alors, eloko yo salaki, bozaki bate bele bokendeki. Bozaki bate yo dans sa live. Mais motivation zaki nango. Ah, ndeko nangai. Peut-être ba matondo kam ba koyeba. Grâce ni nzamba tiaka tia na komba ba matondo wana je te jure. Alors, o mi pesaki, malgré na nyoso salaki, suka nango, o futami na monde de singe. Mais na ba bango ba live nyoso komba matondo koma ki lokola bonbon. Et matondo avait dit ceci, et matondo avait fait ceci, et matondo bona bo. Malgré ça, mais bazolo baka mabe na komba matondo. O bandali likambo oui. N'est-ce pas dit que ce qu'on banda, il faut comme ça encore na sou. Les hommes sous au banda qui, mais tant qu'on a dit sou, quand on a mon lili, moi, ni, téléma. Maman Mathis, je vais vous parler pour les autres aussi, s'il vous plaît. Mais t'as dit, bango, biso tout le monde, on a un bisou, parce que c'est pas un bango, on a un. Elle est partie, vous. Quelqu'un écrit. Quelqu'un écrit, Maman Tika, bah, rappelle, elle est qui déjà. Non, ça fait mal. Bonjour. Ces gens-là. Bonjour. Coucou. Coucou, ça va? Moi, je veux pas mettre du temps. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Maman Tono. Je pense que oh, ngana linga kina le baba linga basi balubiango. Alors, ngana ko essayer na djoba émotions na tienne à côté. Tu peux parler en français pour les autres aussi, pardon. C'est-à-dire, je vais essayer de mettre mes émotions de côté. On a vu de le début de cette histoire. Comment est-ce que tu t'es battu comme une lionne? Oui. Et toi, tu sais où qu'au fond de toi, tu te fais beaucoup des ennemis. Où est bien où? Oui. Comme comment Alexandra, bah te bêler, bah ne bah comme qu'au détesseur pour quelque chose au sein de Kamboa bien. Oui. Parce que d'habitude, on a l'habitude de dire ouais, les Congolais ne sont pas unis, bah Congolais bah ça la caboie mais. Oui. Faut le dire. Hein, oui. Histoire d'Alexandra, on a vu la solidarité. Hein. Bah tout bah t'es les marines les Kamboyo. Là tu as. Au comique, tu t'es battu c'est comme si c'était quelqu'un de ta famille.
Et tout le monde s'est battu pour cette petite, entre guillemets. Moi, pour moi, comme je dis, je vais essayer de mettre les émotions de côté. Moi, je me disais que quand maman Alexandra, genre, ça coûte rien. C'est vrai qu'elle a perdu sa fille. Excusez-moi, peut-être que je serai méchante, mais pour moi, on devait même t'envoyer un message, SMS. Juste, Matondo, je suis là. Si Osa, Osa, ça, les locaux, soit t'es pas occupé, tu peux passer. Ouais. Tu comprends? Mais tant que va finir en côté, maman, vende à la place Nayo. Merci. Peu importe ce qui va se passer, si elle tient, parce que Bazo Monango, t'inquiète pas, hein, tout le monde est en train de voir tout ce qui se passe sur TikTok. Hein. Ouais. Même si la maman d'Alexandra, elle n'est pas connectée tout le temps, je suis sûre qu'il y a sa famille qui est en train de voir tout ce qui se passe sur TikTok, au fait. Donc rien n'empêche de t'envoyer juste un SMS pour dire qu'on est là. On a vu ce que tu as fait. Est-ce que tu peux venir nous accompagner? Alors pour moi, s'ils ne le font pas, qu'au sale en coupe de pété. Sincèrement. Ne va pas. Moi, c'est tout ce que je voulais te dire. Et puis, merci pour tout. Merci, ma comédienne. Oh, la cosa, la kawana. Tu nous fais rire. C'est juste magnifique. Que Dieu te protège. Et puis, Nati, qui parole, Nabat, nous tous. Moi, je peux parler. J'ai quelque chose à dire. Bonjour, Matondo. Chez nous, au Congo, ça veut dire merci. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est une grâce, déjà. Moi, je suis du Congo Brazza. Bon, on reste au Congo. Mais nous, on a un patois où Matondo veut dire merci. Ben, chez donc, nous, tu aussi, vois. Merci. Chez nous ah, aussi. Ah, d'accord. Bon, ben, je ne savais pas. Donc, après, moi, j'ai suivi un peu tout ce qui se passe. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est apporter un message positif. Les gens sur les réseaux, on ne les connaît pas. On est tous en train de faire un... Les gens, ils font tous un cinéma. Il y a des choses qui ont été dites, il ne faut pas le prendre à cœur. Parce que c'est des gens, tu ne manges pas chez eux, tu ne vas pas les voir, ils ne seront pas là pour toi. Donc ça, c'est des choses, de un, il ne faut pas du tout prendre tout ça à cœur. Ce que tu as fait, c'est peut-être Dieu qui a demandé... Ça, pendant la motée, mais on a continué à vendre, continue. Ce que tu as fait, moi, je pense que Dieu passe par n'importe qui pour toucher quelqu'un, pour aller. Parce que pourquoi toi? Il y a beaucoup de gens au Canada. Mais pourquoi toi? Attends, Mia, attendez, je vais vous raconter une histoire. Vous savez quoi? Non, moi, il ne faut pas mal le prendre. Hein. Je ne suis pas non, en train non, de... Non. Je vais vous parler comment je me suis retrouvée ici à Trois-Rivières. Vous savez d'accord. Quoi? D'accord. Non. Je suis arrivée en 2018. Je fais 6 ans et demi à Montréal. Quand mon fils aîné est venu me rejoindre, je me suis décidée, vu sa taille, comment il est, je me suis dit, ben, je ne mérite pas que mon fils étudie ici. Il y a un peu trop de désordre. Je mérite qu'il ait un peu. Je cherchais la maison, je ne prenais pas. Du coup, la maison où on m'avait donné, ça ne m'appartenait pas. D'accord. Ça appartenait à une sœur. Donc, un monsieur qui vit dans l'immeuble, un Congolais, avait pris avait pris l'appartement pour une autre compatriote congolais qui venait au Canada. Entre et quelque chose s'est passé et la dame n'a plus voulu rester là-haut, là, dans l'appartement qu'on avait pris pour elle. Du coup, les messieurs ont commencé à payer les deux maisons. Vous comprenez? Non, parce que les bails avaient aussi son nom. Il vit chez lui, mais il paye notre maison parce que c'est lui qui avait pris ça. Mais avec la personne, la personne qui devait aménager, rien n'est marché. Une moi, sous-location, quoi. Ouais, j'étais à Montréal. Mais en Trois-Rivières, j'avais quelqu'un, compatriote, à qui on s'est parlé de temps en temps. Je demandais, mais comment ça va? Chez vous, là-bas, il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a des appartements? C'est calme? C'est comment? Elle cherchait toujours pour moi. Jusqu'à un moment... Quand les enfants voulaient retourner à l'école, à trois jours des rentrées scolaires, les frères congolais m'appellent pour me dire, écoutez Cliff, il y a un appartement, il est libre. La personne qui devait habiter là-bas ne veut plus, c'est libre, c'est à $900. Tu peux venir regarder. J'ai dit, mais pourquoi pas? Il restait 3 jours pour la rentrée. Je me suis rendue, j'ai regardé l'appartement, j'ai aimé.
C'est ainsi que j'ai déménagé de Montréal. Je ne m'attendais pas à ça. C'était rapide. Et jusque là, même les bails n'est pas mon nom. C'était tellement rapide, je vous jure. Parce qu'au Canada, il faut savoir, les bails se changent à une année. À moins d'une année, c'est vraiment compliqué. C'était rapide. Du coup, je me suis rendue avec mes enfants. Et quand tout ça s'est arrivé, je me pose la question, Seigneur, si c'était la mission, mais dis-moi si je dois retourner à Montréal. Si j'étais venue ici, si c'était juste pour ça, est-ce que je peux retourner à Montréal ou je dois continuer à vivre ici? Je me posais tant de questions, je me disais, ah, mais pourquoi? Pourquoi je pouvais prendre la décision comme ça, tant qu'une mère, là, les enfants devaient retourner à l'école et je regarde même pas ça, j'emballe tout, je déménage comme ça, l'école de mes enfants. Moi, sans te couper la parole, moi, je pense que ça peut être une mission de Dieu aussi. Et c'est comme je viens de te dire, Dieu touche n'importe qui. Tu vois, il y a des gens, souvent, comme on dit, l'apparence est trompeuse. À Montréal, là-bas, vous êtes nombreux de Congolais. Mais pourquoi toi? Pourquoi tu as voulu prendre cette décision? Pourquoi ça a été rapide comme ça? Et pourquoi tu as trouvé quelque chose et bim, il y a ce drame tragique qui arrive et toi, tu t'investis. Pourquoi? Eh ben moi, je pense qu'en tout, je veux rester positif. Pour moi, je pense que c'est Dieu. Et c'est vraiment comme tu es en train de dire, demande à Dieu si vraiment c'était une mission que tu repartes. Après, pour terminer, je veux juste parler de la maman d'Alexandra. Je pense que il ne faut pas écouter... Attendez, quelqu'un m'écrit, tu dois finir ça. Christelle m'écrit. Merci, Monica. Tu dois finir ça, dis-moi. Après, moi, ce que je veux juste terminer, Matondo, c'est dire que ton truc, ce que tu as fait, pour moi, c'est quelque chose de noble. Parce que tout le monde aujourd'hui ne peut pas se comporter comme ça. Même moi qui te parle, j'aurais jamais abandonné la seule fille que j'ai pour aller chercher l'enfant de quelqu'un. Faut pas être hypocrite. Je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais pas du tout fait. Je compatis de loin parce que je reste mère, mais de laisser mon enfant pour aller à la recherche comme ça, comment tu as fait? Moi, perso, je l'aurais pas fait. Ça veut pas dire que je suis mauvaise. Mais ce truc-là, faut l'avoir. Après, en ce qui concerne la maman d'Alexandra, je pense que c'est pas une femme bête. Je pense qu'elle a une plaie que nous, on n'a pas. Et je pense aussi, les gens qui l'entourent en ce moment, entre guillemets, peuvent être de mauvaise foi ou de bonne foi. Tu comprends? Parce que beaucoup de gens auraient voulu faire ce que toi, tu as fait. Voilà pourquoi ils ont manifesté aussi cette colère-là. Tu comprends? Ils ont manifesté. Ah, ok, attendez. Miyu, c'est une haïtienne, c'est elle qui t'aimait. Ok, fais ta demande, c'est elle qui t'aimait. Quand on chantait, quand on était parti à l'université, aller faire le vu à Zapata. Oui, je vis. Donc, en tout cas, bon courage à toi, mais vraiment, que Dieu protège tes enfants et que Dieu te protège. Si cette histoire-là, c'est, comme a dit une fille tout à l'heure, ça peut être spirituel. En tout cas, que Dieu t'épargne de ça, que ça ne te colle pas. Toi, tu as fait quelque chose de bon. Que ça n'atteigne pas ta famille, rien du tout. Tu n'étais pas partie là-bas pour faire du mal, tu as fait. Et en tout cas, bon courage encore à toi. Et puis, je pense que pour aller dans un recueillement, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on t'appelle. Parce que c'est quelque chose que tu as fait avec le cœur. Je sais, mais je... Tu n'as pas besoin, ma chérie. Pourquoi tu vas attendre? Toi, tu termines ta mission. Parce que sinon, là, devant Dieu... Mais quelle mission tu parles? Non, d'accompagner ce sentiment-là que tu as cherché, Alexandra. Après, c'est toi qui décides, hein, maman. Moi, je pense juste que tu n'as pas besoin qu'on t'appelle. Tu n'as pas besoin des remerciements. C'est Dieu, de toute façon, qui fait en sorte que ton cœur va être apaisé. Même si la maman d'Alexandra passe te remercier spécialement. Qu'est-ce qui te fait dire que ça va être sincère? On a besoin de ça, Mia. Ben justement, tu vois. On a besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça, en fait. Parce que quelqu'un peut te dire « merci Matondo », mais est-ce que dans son cœur, c'est vraiment le merci qui te dit? Tu sais pas. Tu comprends? Ah oui, la maman d'Alexandra peut passer là, te faire une vidéo de 30 minutes. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle va être sincère? Tu sais pas? Parce que tout se passe dans le cœur, ma chérie. En tout cas, je laisse la place aux autres. Bon courage à toi. Vraiment, je ne te connais pas, mais je te mets dans mes prières. Ça a été très, très, très noble ce que tu as fait.
mais que Dieu épargne tes enfants de tout danger. C'est pas ta famille, tu les connais pas, mais tu as fait ce que ton cœur voulait. Je te souhaite une bonne journée et puis beaucoup de courage à toi. Merci. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, en tout cas, que Dieu soit loué parce que moi, je suis servante de Dieu. Ici, j'ai envie de parler sur deux phases. Et premièrement, je rends grâce à Dieu pour cette rencontre que je t'ai faite. Je ne suis pas trop quelqu'un des... Je poste mais beaucoup de choses sur TikTok, même pour édifier les gens dans le sens chrétien. Mais quand je suis tombée sur tes vidéos, la chose qui m'a captivée, c'est ta motivation premièrement. Et ce que j'ai envie de dire ici, par rapport à toutes les personnes que j'ai écoutées, et par rapport à ce que toi-même tu as dit aussi, ma sœur Matondo, Dieu, dans la Bible, un homme est parti chercher les brebis de son père. On lui a envoyé, parce que son père avait perdu deux brebis, c'était Saoul. Arrivé là-bas, or, dans le ciel, quelque chose était arrêté, il y avait besoin d'un roi. Israël avait besoin d'un roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, pendant qu'il sortait pour chercher les brebis de son père, il y a un prophète que Dieu avait mis sur la route pour aller poindre une autre personne. Arrivé à cet endroit-là, dans l'idée où lui cherchait les brebis de son père, la royauté l'a rencontré. Je referme tout de suite cette parenthèse. Pourquoi je suis en train de dire ça? Vous savez, deux fois dans la vie, hier, j'étais en train de parler avec une personne, j'étais en train de lui dire, on est chacun avec quelque chose de précis parce que nous sommes tous en mission sur la terre. Croyant ou pas croyant. Toute personne qui naît sur la terre des humains a une mission. Et si la mission que Dieu a déposée en Matondo, c'est une mission d'être là comme un guide, comme une aide. J'ai écouté aussi l'effet scout que tu as dit tout à l'heure et l'effet secouriste que tu as appris. Pour la petite parenthèse encore, au Congo, il y a quelques années, quand Congo était Zaïre, il y avait des très bonnes choses, des très bonnes formations pour vous qui n'avez pas cru à Matondo. Ce sont des choses vraies qu'elle est en train de dire. Les gens vous jure, dans des colonies. C'était pas au Congo à cette époque-là, c'était au Zaïre. C'était les Zaïre à l'époque. Oui, c'était les Zaïre. Il y avait des très bonnes choses. On marchait dans Moulongo, on chantait, Nanzela, Toyema. Maman Lambaloso. Maman Lambaloso. Vraiment. Vraiment, c'est comme ça. Vous qui n'avez pas vécu ça, ne mettez pas en doute parce que c'est vrai. Les gens partaient, il y avait la sécurité, les enfants des gens partaient, ils revenaient en bonne santé. Il y avait des alternatives. Et ça fait de nous des enfants très débrouillards. Ça fait de nous des enfants vraiment, on sait se débrouiller. Génération, on a quand Matondo parle de ça, on sait se situer de quelles années, de quelle génération on est. On sait savoir. Donc vous qui ne savez pas, faut pas douter. Je referme cette parenthèse encore. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ici, on est en train de parler d'une situation d'une mère qui est complètement déchirée. Cette maman-là, elle souffre. Maintenant, Matondo, Dieu t'a fait enlever là où tu étais. Il t'a ramené trois rivières. Juste pile poil, il n'y a pas d'hasard. C'est chez nous les humains qu'il y a des hasards. Mais chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. Pile poil au moment où il y a eu cette situation. Ici, je ne suis pas en train de parler dans le prophétique, je suis en train de parler des choses naturelles. Qu'est-ce qui dit pas que le Seigneur avait permis juste que tu viennes juste faire motiver les gens? Parce que cette histoire, si vous ouvrez un œil pour les personnes qui sont spirituelles, ici je ne viens pas encourager des gens à devenir spirituels, mais pour les personnes qui sont spirituelles, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit cette histoire a fait rentrer un éveil dans notre communauté très important. Pourquoi? Parce que qui dit pas qu'il y a aussi d'autres jeunes quelque part qui sont arrivés au Canada, qui souffrent en silence, dont les parents ne sont pas au courant? Qui dit pas? Il y a beaucoup de parenthèses dans cette histoire. Celui qui a un œil spirituel et celui qui a un sixième sens sait savoir que ça éveillait beaucoup de parents. Moi, j'ai mon fils qui est au Canada, mon neveu, il est au Canada. Ça, je l'appelais presque rarement, mais ça m'a redonné l'esprit de l'appeler tout le temps. Je dis, ah, c'est quoi ça? Comment, maman, tu peux être comme ça? L'enfant est là-bas, tu sais pas comment ça se passe. Donc, ça nous a tous éveillés d'une manière ou d'une autre. Et vous savez que dans chaque mission dans la vie, il y a des leçons à tirer, il y a aussi des inconvénients, il y a aussi des gens qui ne remercient pas au talent, au niveau. Nous avons des gens qui sont morts martyrs pour le Congo. Mais est-ce que le Congo a changé? Non, pas encore. Nous avons aussi des gens qui sont morts pour martyrs ici en France. Moi, je suis en France depuis plusieurs années. Mais est-ce que ça a changé? Non, pas encore. Il y aura toujours un coin où on peut satisfaire 100% et il y a un coin où on peut pas satisfaire. Et n'oubliez pas la vie des réseaux sociaux. Moi, j'appelle ça les sebosangani. On mélange de tout. Les gens qui ont des hauts niveaux d'intelligence et des gens qui ont des bas niveaux et des gens qui n'ont pas de niveau du tout aussi.
tout simplement parce qu'ils découvrent. Ils ont envie de donner leur opinion de n'importe quel sens. Maintenant, nous ici, on ne peut pas dire à Matondo, tu ne dois pas aller, ou bien tu dois faire ça, ou bien la maman devait t'envoyer un message. Vous savez, quand Dieu utilise une personne comme instrument, ce n'est pas à toi de te priver de la chose que tu dois bien faire juste pour punir Bateau. Et puis, punition, il y a bien Zaranine Matondo. Punition au Zarake, na salil kamnanga tina souka, et l'équipe punition au Yaku privé Moutoulikam. Parce que c'est le résultat, devant Dieu, c'est le résultat qui fonctionne. Devant Dieu, on ne peut pas se priver. Quand Matondo sait bien faire les choses, je reviens dans la Bible nous dit si on sait faire le bien et qu'on ne le fait pas, on commet un péché devant Dieu. Maintenant, les gens ne peuvent pas te déstabiliser. Les gens ne peuvent pas te déstabiliser en te disant que Matondo, oh bien, quand tu es célèbre dans la communauté Nabisso, moi je suis pasteur, je souffre de ça, on vit de ça, on vit que de ça. Quand tu es célèbre, tu es connu, les gens vont te juger, les gens vont te juger même dans des histoires fausses. Les gens peuvent tourner quelque chose qui était bien et qui bien validé par tout le monde, mais en tout cas pour s'appeler Matondo Taokozua, il va prendre ça, il renverse ça d'une autre façon. Donc, quand tu as la grandeur en toi, maman, moi, j'ai envie de te parler en tant qu'une influenceuse et en tant que quelqu'un qui a quelque chose de très spécial. Parce qu'en toi, tu es quelqu'un, tu ne dois pas te négliger. Tu es quelqu'un de très présent dans cette terre. Tu n'as pas à te sous-estimer, même pas dans le domaine des réseaux sociaux seulement, mais dans la vie de tous les jours, tu as quelque chose de très précis que Dieu a déposé en toi. Ça date de ton enfance, ça date de ta vie. Tu sais, j'ai pas envie d'étaler ta vie sur les réseaux, mais tu sais que tu es quelqu'un qui a quelque chose de très précieux. Osana ondumoko et attira rabatu. Et quelqu'un qui a cette onde qui attire les gens, si tu sais l'utiliser, oromatakaka, et tu auras toujours des adversaires. Pourquoi? Parce que grand, on a quelque chose de puissant, il va même difficilement le mariage. Parce que on est l'homme puissant, mutalo pour gérer ôté. Et quand tu sais pas ça, et comme même va divorce. Pourquoi? Parce que on a un homme très puissant. Tu dégages en fait la grandeur en toi. Et une personne qui a la grandeur, il faut aller basco pour se gérer, pour aller pour gaspiller ce qu'elle est. Bah c'est belé le babou et bon ma bala. Les gens disent que avant d'en aller balader, non, elle est puissante. Elle est quelqu'un qui n'arrive pas à se canaliser. Yébatine Mbappé, ça qui va ordonner, parce qu'elle a une vie royale en elle. Et il y a des femmes comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui que elle a quelque chose de puissant et Dieu peut t'utiliser à n'importe où, à n'importe quel moment. Si tu as un canal que Dieu utilise, Matondo, ne suis pas les gens. Ferme tes oreilles, même pour ta vie de tous les jours, même pour ta vie de femme ou de mère, ferme tes oreilles. Si tu es un instrument de Dieu, laisse-toi utiliser et ne suis pas les gens. Je suis dans le ministère depuis quelques temps et je sais quand les gens ont besoin de te rabaisser, ils peuvent prendre même ce qui est vrai, même ce qui a touché hier quelqu'un. Ils peuvent prendre ça, déformer ça dans l'objectif de te déstabiliser. Et si tu leur sers ça à chaque fois, tu le fais tellement bien et merci. Que tu le fasses jusqu'au bout. Ça va faire plus mal que si quelqu'un vient parler seulement Matondo, Matondo, et demain il voit que Matondo a quitté pour approuver. Que Dieu te bénisse, je m'arrête là. Amen. Merci. Bonjour. Mais moi, je vais répondre ceci dans tout ça. Oui, attendez. Merci beaucoup, servante de Dieu. Merci pour tout. Mais ma réponse est que j'irai pas. Si la maman aimerait me voir, j'irai la voir. Mais de moi-même, mes jambes, mes très belles jambes, velues. Et qu'il y a des taca, 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 à limer mon truc, je ne ferai pas ça. Si la maman aimerait me voir, non, clear, je sais que c'est dire. Ok, pour exemple, je pense que dans l'immédiat, comme la tête est bien. Je sais que c'est dire, mais de moi-même, je vais pas y aller. Moi, je pense que si c'était une mission, c'est là où ma mission s'est arrêtée. C'est, je fais ce que je fais, c'est arrêté là. C'est aux autres aussi de continuer. Mais si le groupe ou les gens qui ont accompagné maman ou elle-même aimeraient me voir, j'irai. Mais de moi-même avec mes belles jambes, parce que j'ai une très belle jambe.